Yo tout le monde, c'est Loz, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est reparti sur le sujet de Vinted et cette fois-ci, eh ben, on va parler des gros forceurs qu'il y a sur Vinted. Que ce soit les personnes qui forcent sur les prix, qui vous demandent des détails impossibles à avoir. Je vais vous faire une petite compilation de ce que j'ai pu récupérer ces derniers temps. Alors ça va faire, comme je vous l'ai dit, ça va faire 4 ans que je suis sur Vinted. Ça va faire, certainement 300-400 transactions, donc c'est plutôt pas trop mal. J'ai eu un seul souci avec l'appli Vinted en 4 ans, donc ça c'est pas mal. C'était Mondial Relais qui s'était trompé dans la livraison du colis, il avait envoyé totalement à un autre endroit. Moi ainsi que le client a été remboursé, donc ça c'est une histoire qui se termine bien, mais ça se termine toujours pas ultra bien. Il y en a qui profitent un peu de la naïveté de certains pour soit vous vendre des fausses paires, soit vous un peu vous entourlouper, faire passer par PayPal, déclarer un litige, ce genre de choses. Donc ne vous faites pas avoir si vraiment vous avez des questions. Je réponds à ce genre de messages sur mon Instagram. Je fais aussi des legit checks de temps en temps. Alors je suis pas professionnel dans la chose, même si je commence à avoir l'œil. On m'envoie souvent des photos pour dire est-ce que ça c'est du fake, est-ce que ça c'est pas du fake, est-ce que c'est une bonne affaire. Je vous réponds, évidemment, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous faire une petite sélection de personnes sur Vinted que moi personnellement j'aime pas trop, hein. Et à mon avis, je suis pas le seul. Donc on va commencer doucement avec les mecs qui forcent dans les prix. Alors ce que j'appelle les mecs qui forcent dans les prix, moi j'ai eu à la suite de mon méga drop Vinted, j'ai eu beaucoup de messages un peu sympas. Je proposais par exemple une Jordan Jubilee qui s'est vendue depuis, je l'avais mis à 250 euros, on me proposait 100 euros. Alors vous doutez bien que c'est pas possible. Hein, ça peut passer sur un malentendu peut-être parfois, hein, je misclique le bouton, mais c'est pas possible. Vous vous rendez bien compte que la personne va pas accepter votre offre, hein, tout simplement. Alors le fait de négocier les prix sur Vinted, je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet de discuter avec la personne, ça permet de voir, ça permet de choper des choses à moindre coût. C'est plutôt très sympathique. Mais ne forcez pas sur la chose. Par exemple, moi, si je vois un t-shirt à 10 euros, je ne négocie pas le prix. Évidemment, si c'est une paire de sneakers à 300 euros, on peut parler avec la personne. Je pense que déjà envoyer un message en disant est-ce que la paire est négociable avant de proposer un prix, je pense que c'est la logique des choses. Au lieu de prendre un refus directement, parler avec la personne pour pouvoir gratter peut-être 20-30 euros sur une grosse paire. C'est toujours sympathique. Ça vous paye, on va dire, les frais d'envoi. Parce que c'est vrai que les frais d'envoi sur Vinted sont un petit peu chers. Ça, c'est vrai, hein, pour le coup. Donc, les personnes qui forcent sur les prix, s'il vous plaît, arrêtez les négociations sous ouvertes. Mais comme on le dit toujours, soyez raisonnable sur les négociations, s'il vous plaît. Voilà. Numéro 2, les personnes qui vendent du fake et qui le disent directement dans leur publication. Ça, c'est pas possible. Dernièrement, j'ai vu une petite Jordan 1 Maison Château Rouge. Copie parfaite. Non, ça, c'est pas possible. Hein, vous avez des vagues de la taille d'une main. Hein, donc, va falloir arrêter, s'il vous plaît. Une Jordan 1 Maison Château Rouge, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de détails dessus. Là, on est sur une personne qui vend une Jordan 1 Maison Château Rouge et qui dit très clairement, c'est du fake. Alors, tout simplement, le fake en France, en tout cas chez nous en France, c'est interdit d'en vendre, d'en proposer et surtout d'en revendre. Ça, c'est le plus grave, vraiment d'en revendre. Tu sais que tu t'achètes du fake et tu le revends par derrière. Ça, c'est la pire des races, hein, désolé, mais même si les paires sont de mieux en mieux contrefaites, et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut arrêter, hein, directement. Vraiment, moi, je me sentirais pas bien si je vendais du fake, j'aurais pas la conscience tranquille, parce que je sais que j'arnaque une personne, je sais que je lui envoie un colis, je sais qu'elle va la recevoir, elle va être contente de recevoir sa paire, et elle va croire que c'est une paire vraie. Donc moi, c'est pas possible de faire ce genre de choses. Moi-même, je contrôle les paires avant de les acheter. Si c'est trop beau, n'y allez pas, vraiment. Si jamais il y a des mauvaises photos, si le prix est trop alléchant, si ce sont des photos d'internet, si jamais la description est foireuse, vraiment, ils ne donnent aucune description. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver vers la personne qui vend un modèle qui ne connaissent pas du tout, hein, donc ça, c'est non, hein, directement. Qui ne connaissent pas la taille, qui connaissent pas ce genre de choses. Vraiment, demandez les détails, vraiment, les plus de détails possibles. Je pense que les paires les plus vraiment imitées sur le marché, c'est tout ce qui est Off-White, c'est tout ce qui est Yeezy. Donc, posez-vous la question, demandez des photos. Aujourd'hui, shopping Yeezy, c'est très très simple, prix retail, parce qu'il y en a de plus en plus, parce qu'il y a plus en plus de colorways qui sortent. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'en choper une prix retail qu'il y a 2-3 ans, par exemple, quand ça a commencé, quand c'est sorti, que tout le monde en voulait. Donc, encore une fois, faites attention aux fakes, il y en a partout. Et si vous n'êtes pas sûr, ben, n'achetez pas directement. Gardez vos sous pour une prochaine sortie. Des sorties, il y en a vraiment toutes les semaines, donc faites attention, s'il vous plaît. Et après, numéro 3, on va finir avec des personnes qui demandent beaucoup trop, hein, de détails, et ça, pour moi, c'est non. Alors, personnellement, moi, on me demande souvent, est-ce que je peux porter les vêtements? Alors, moi, ça me saoule de porter les vêtements, j'ai pas envie d'essayer. Hein, quand tu vois un t-shirt taille L, je pense que j'ai pas besoin de te montrer que c'est un t-shirt taille L. Faut arrêter d'abuser sur, est-ce que ça, je peux le voir porté par une personne mesurant telle taille, avec tel poids? Je veux bien donner plus de photos sur un article, par exemple, qui ne sont pas sur l'annonce, il n'y a aucun problème.
Si ça aboutit à une vente, c'est toujours cool. Mais si jamais c'est venir me demander des photos pour rien rajouter par derrière, ben excusez-moi, mais c'est du temps perdu pour vous ou en tant que vendeur. Moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des photos, la personne ne me répond plus. Bon, bah écoute, pourquoi tu m'as demandé des photos alors? Généralement, moi, j'essaye de faire les articles, enfin, j'essaye de faire mes annonces le plus clair possible avec les photos de tout, des tailles, tout est indiqué sur les posts. Dernièrement, j'ai vendu une paire, par exemple, j'ai vendu une paire d'Air Max One. La personne à la réception du colis me dit, mais c'est pas la bonne boîte. Je lui dis, oui, c'est expliqué dans l'annonce. Donc, d'où l'importance de regarder l'annonce, parce que la paire n'était pas fournie avec la bonne boîte, c'était inscrit dans l'annonce que je n'envoyais pas avec la bonne boîte parce que je ne l'avais plus. Donc, c'est et je changeais la boîte tout simplement. Donc c'est important de lire l'annonce, de faire attention à ce qu'on vous dit pour éviter tout simplement les mauvaises surprises, voilà. Et petit bonus pour finir, les mecs qui abusent sur le bon état, hein, parce que sur Vinted, vous avez très bon état, nickel, neuf, tout ça, tout ça. Je vais vous mettre une petite image juste ici. Ça, ce n'est pas un bon état. On voit une paire 350 euros, c'est une React Element, c'était un des premiers colorway qui a très bien marché, qui se revend un petit peu cher aujourd'hui. Elle est dans un état exécrable, hein. Bon état, ce n'est pas un bon prix. Il y a énormément de personnes qui vendent leurs paires dégueulasses à un prix exorbitant, ça c'est pas possible. J'aime bien me balader sur Vinted et envoyer des messages aux personnes qui se trompent dans les prix ou dans l'état, ça me fait toujours plaisir. Quand j'ai rien à faire de mon après-midi, perso j'adore faire ça, c'est vraiment un régal. J'adore envoyer un message à des personnes qui vendent des paires fausses, hein, mais qu'ils disent pas en description. Voilà, ça c'est un régal, à chaque fois vous avez des réponses incroyables. Donc comme j'en reviens, les descriptions s'il vous plaît, quand vous vendez par exemple une Yeezy 700 qui est juste ici, dégueulasse à 250 euros, je lui envoie un message à cette personne, je lui ai envoyé un message et je lui dis la paire est pas du tout dans un bon état. La semelle était arrachée, la semelle intérieure était arrachée, la paire était dégueulasse, avait été roquée une vingtaine de fois, donc c'est pas possible de vendre ça à un tel prix. La personne me dit je n'y connais rien, donc ça c'est ça rajoute de l'huile sur le feu. Parce que même si je n'ai que 4 ans derrière moi, de collection et de connaissances dans la sneakers, il y en a qui ont 20-30 ans hein, derrière eux, donc directement, c'est sûr, je fais pas le poids face à ce genre de personnes. Mais quand je vois Titouan, 14 ans, qui vend une paire de Yeezy 700 à 250 euros totalement défoncée, je peux pas laisser passer ça, je suis désolé, mais c'est hors de question. Et me faire prendre aussi par derrière que je n'y connais rien, ça, là, c'est pas possible, là, vraiment directement. Et je vous rappelle que sur Vinted, vous avez un bouton signaler si l'annonce est fake, si l'annonce n'a rien à voir avec le produit, si jamais le prix n'est pas normal, signalez, je vous en supplie, n'hésitez pas à signaler, vraiment, c'est important. Pour vraiment profiter de l'appli correctement, s'il vous plaît, enlevez tout ce qui est pas possible, et garder que le bon, vraiment c'est très important. Donc je pense que j'ai pas fini d'en voir sur Vinted. Si vous aussi vous avez des expériences incroyables à me faire partager, n'hésitez pas, j'en ferai peut-être une vidéo. Je sélectionnerai une dizaine voire une quinzaine de commentaires avec des grosses histoires. Donc si vous avez des histoires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à DM Insta. Donc comme d'habitude, et bien évidemment le Vinted que je vous mets juste ici, je voulais vous remercier par rapport aux nombreuses commandes que vous avez passées. Tous les colis sont arrivés, tous les gens ont été globalement très contents. Je n'ai eu que 5 étoiles jusqu'à présent, donc je suis vraiment ultra content que ça vous fasse plaisir et que moi, bah, ça puisse vider un peu ma garde-robe et m'acheter de grosses paires par derrière. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao, c'était Lost.